Bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble l'intégration graphique d'un élément supplémentaire dans notre maquette, parce qu'en ce moment on travaille sur une maquette graphique complète d'un site web qui a pour objectif de créer un système de réseau social, mais aussi de pouvoir proposer de la formation en ligne, de pouvoir vendre ses propres formations en ligne. Imaginons que tu sois coach, imaginons que tu sois, je sais pas, par exemple consultant, imaginons que tu sois formateur, développeur par exemple. Eh bien, concrètement, tu pourrais avoir besoin d'un tel service sublimissime, génialissime, extrêmement bien foututissime. Je ne sais pas si ça se dit, mais bref, c'est pas grave. L'objectif de cette vidéo, c'est surtout de t'apprendre à utiliser Sketch, de te montrer un petit peu comment est-ce que je raisonne, comment est-ce que je mets en place mon raisonnement dans le cadre de l'intégration graphique. Et si ça t'intéresse, tout ça, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications parce que bah, tu risque de louper les prochaines vidéos. On va parler de développement, on va parler d'intégration graphique encore, mais d'intégration graphique du côté du développement. Et puis comment connecter tout ça à une base de données, comment mettre tout ça en place, tu vois, dans un environnement de développement, de production, comment déployer. On pourrait imaginer plein de choses sur ce type de projet. Et je travaille activement, en fin de compte, en ce moment, à te proposer tout ce contenu-là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas pouvoir en savoir plus, bien évidemment, là-dessus. Mais juste avant, je finis l'infusion de mon petit thé où tu vois le sachet tout dégueu là à l'écran. C'est pas grave, on est entre nous. Et puis on va commencer tout simplement à maqueter, à designer ce que l'on a déjà mis en place. Alors j'avais déjà fait une première vidéo où je t'ai montré tout le zoning de notre application. Tu vois qu'elle est quand même assez badass. On a commencé à travailler un petit peu sur la partie flux d'actualité. Bon, bah, c'est quelque chose qui est assez simple parce que tu peux recopier un petit peu ce que fait la concurrence. L'objectif, c'est pas non plus de trop changer ce qui se fait en termes de d'habitude au niveau de l'utilisateur, parce que bien évidemment les utilisateurs sont habitués à utiliser un flux d'actualité de telle façon. Imaginons par exemple que tu veuilles changer l'orientation du flux d'actualité et non plus de scroller mais de swiper les différentes choses. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas quelque chose qui soit forcément très intelligent à faire. Donc effectivement, on reprend des petites choses qui sont déjà existantes. Après, si ça marche bien comme activité, comme projet, eh bien dans ces cas-là, peut-être qu'on pourra apporter sa petite innovation. Mais pour l'instant, on n'innove pas beaucoup, mais on essaye de faire quelque chose de plutôt pas mal. Alors, c'est parti. Là, on est dans l'interface qui nous permet de poster nos différentes informations sur notre réseau social. D'accord, sur notre flux d'actualité que l'on a créé dans la vidéo précédente. On avait vu qu'on avait fait un petit zoning rapide pour la version web et un petit zoning rapide pour la version mobile. D'ailleurs, on a vu que cette partie-là, elle n'était pas présente ici. Ce que je vais faire, je vais supprimer cette partie-là parce que pour l'instant, elle ne sert strictement à rien. L'objectif, c'est d'avoir une zone où on peut poster quelque chose, où on peut poster une image. Oui ou non, c'est pas une obligation, c'est-à-dire que si tu regardes bien la vidéo d'hier, allez, je te laisserai regarder la vidéo d'hier, on va pas rester plus longtemps, mais on a la possibilité de ne mettre que du texte, par exemple, pas forcément une image. Néanmoins, on va encourager la personne à mettre des images, parce que bien évidemment, des posts avec des images ou des vidéos, c'est quand même un peu plus sexy, on va dire. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va travailler sur ces deux parties-là et puis on va commencer maintenant. Alors déjà, il y a une différence entre la partie web et la partie mobile, tu vois, et je pense qu'on va essayer de différencier les deux. On va peut-être créer un petit workflow différent entre les deux. Déjà, sur la partie web, ce qu'on peut imaginer, c'est d'avoir une zone de où tu déposes, en fin de compte, tes photos. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander si sous Sketch, tu peux faire une espèce de petit pointillé, tu sais, au niveau de la coloration du trait. Alors déjà, ça, on peut faire comme ça. Là, on peut augmenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais designer les deux éléments sur la même page. C'est-à-dire, je vais la séparer en deux, de façon à avoir d'un côté la vue où il n'y a rien du tout encore dedans, et de l'autre côté, la vue où on va avoir quelque chose à l'intérieur, une image, par exemple. Encore une fois, je vais grouper ces éléments et puis je vais en même temps les transformer
en symbole. Donc là, je vais appeler ça form slash input. Alors, je mets toujours, j'ai une petite nomenclature qui est très simple. Concrètement, je mets le mot-clé principal. Alors, quand c'est du contenu HTML, par exemple, je vais mettre le mot-clé principal qui est le formulaire et à l'intérieur input. Mais notamment, si par exemple, je sais pas si c'est un input mail, ben dans ces cas-là, ça serait form slash input slash mail. Donc, je vais augmenter en fin de compte le nom. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est simple, c'est que en fin de compte, une fois que mon symbole il est créé, donc là tu vois, on va avoir le form input qui est celui-ci, donc les autres je vais les dégager pour l'instant parce que ils sont pas corrects. J'avais déjà commencé à faire un truc. Donc là concrètement ici, j'ai ce form input qui est créé. Sauf que si je veux aller l'insérer plus facilement, je vais aller à cet endroit-là, je vais aller dans les symboles et ici tu vois j'ai document et ici je vais avoir forme, et puis après je vais retrouver tous les petits éléments. Ici tu vois par exemple j'ai un avatar qui est connecté ou déconnecté. Ici, bon j'ai pour l'instant, tu vois ici, j'ai tous les posts. Éventuellement j'aurais pu mettre post, tu vois, post footer, liké et mobile. Donc concrètement je vais me retrouver en fin de compte avec une liste d'éléments que je peux utiliser, par exemple le post normal et le post mobile, etc. etc. Donc comme ça, du coup, je peux organiser un petit peu mon architecture, ma structure, de telle sorte à pouvoir les intégrer plus facilement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer un composant, parce que je sais qu'on peut le faire avec Sketch, mais je le fais pas suffisamment souvent. Et je vais donc essayer de faire un composant qui soit adaptable. Ça veut dire qu'en théorie, si tout fonctionne bien, quand je vais aller chercher mon symbole, donc hop, form input, que je vais le mettre ici, si je le redimensionne, il devrait se redimensionner correctement. Et mon texte va s'adapter. Et ici, mon texte reste bien en haut. Donc ça veut dire qu'il ne va pas bouger ce texte-là. Alors, il n'y a pas trop d'importance ici, mais c'est que comme c'est un input que je vais pouvoir réutiliser à d'autres endroits, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Donc ça veut dire que le gars peut taper du texte ici, et puis là, ici, entrez votre contenu ou hop, on va faire un truc un peu plus sympa parce que entrez votre contenu, tu sais, ça fait très administratif. Qu'avez-vous à ajouter? Hop, voilà. Tu vois, qu'avez-vous ajouté? On le force pas forcément, c'est-à-dire que si le gars il ajoute simplement un commentaire ou quelque chose à écrire, on le force pas forcément à mettre une image. Par contre, le fait de dire qu'avez-vous ajouté, moi derrière, ça le fait sous-entendre que oui, il faut ajouter une image en plus, c'est toujours mieux, c'est plus joli. Donc là, concrètement, on a cette possibilité-là. Je vais travailler sur ce bouton un peu parce qu'il est dégueu pour l'instant. Petite astuce toute bête, tu prends ton rectangle, tu fais clic droit ou double clic dessus et tu as copie style. Ensuite tu retournes là où tu veux copier le style, tu fais clic droit et tu fais paste style et hop, tu as la même couleur, la même mise en forme, sans les bordures, sans rien du tout, qui est mis en place, ce qui est plutôt cool, tu vois, et ce qui permet d'accélérer un petit peu les choses. Et là ce que je vais faire, je vais créer un bouton un peu différent. Toc, allez, pareil, même exercice. Là, l'idée, en fin de compte, ça va être de pouvoir caler. Alors là, on est à 15 pixels. Je vais me mettre à 10 ici. Lui, attends, il bouge de là. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il est à 0. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais lui dire, bah écoute, tu restes comme ça, tu bouges pas. Toi, tu vas rester de ce côté-là, tu vas être fixé du côté droit au niveau justement de ta petite flèche. Là, ça bougera pas, ça restera à 10. Il va pas changer de taille. Par contre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à peu près à 10 pixels de l'autre. Et je vais dire, bah écoute, ta taille, tu vas la conserver comme ça, donc tu bougeras plus. Et je vais l'aligner sur la droite, ce qui veut dire, sur la gauche. Ce qui veut dire que ici, si je redimensionne mon petit bouton là, hop, je me retrouve avec une taille qui se déforme. Moi, j'aimerais pas qu'elle se déforme, ma taille, tu vois. Fixed size. Je pense que ça devrait régler le problème. Voilà. Et donc, du coup, alors,
Hop là, voilà, c'est qu'il n'y avait pas le bon rafraîchissement. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai mon bouton partagé qui s'adapte par rapport à mon interface graphique. Ça veut dire que si demain j'ai un bouton qui va avoir une taille ou tout du moins une police d'écriture ou une écriture beaucoup plus longue, je peux redimensionner justement cette police-là, enfin cette police-là, ce bouton-là, de telle sorte à ce que justement la police, enfin la police, la taille des, enfin l'écriture passe dans tout le bouton sans passer à la ligne ou quoi que ce soit. Et en plus, mon bouton, je peux le changer par la suite. C'est-à-dire que concrètement, ce que je peux faire maintenant, c'est cliquer à cet endroit. Si tu vois, hop, si je clique sur l'icône ici, je peux aller chercher dans la bibliothèque de Google n'importe quelle icône et je me retrouve avec un bouton dans lequel je vais pouvoir mettre bah, l'icône que je souhaite. Écoute, c'est aligné. Par contre, alors, il y a deux choses. La première, c'est effectivement comment est-ce qu'on décide de redimensionner ça en mode paysage, en mode portrait ou en mode comme ça. Moi, je pense, tu vois, je vais prendre un parti pris très très simple. C'est-à-dire que concrètement, par défaut, on est sur le web. Eh bien, dans ces cas-là, on va avoir du square un petit peu à la Instagrammable, tu vois. Comme ça, du coup, on s'embête pas avec la résolution pour l'instant. Peut-être que par la suite, on ajoutera d'autres possibilités, ou alors on va même prendre un parti pris un peu différent, c'est-à-dire qu'on va pas s'embêter, on va prendre du carré 1080 par 1080, c'est 1080, ça va être 1080 par 1080 sur Instagram, un truc comme ça. Donc du coup, bah, la première version de l'application, on sera comme sur du 1080 par 1080, donc celle-ci à peu près, ou plutôt cette partie-là, ce qui permettra d'avoir quelque chose de standardisé. Et puis, quand on ajoutera d'autres fonctionnalités, on pourra passer sur du mode portrait, par exemple. On verra ça au fur et à mesure de comment est-ce que ça va avancer, comment est-ce que ça va évoluer. Par contre, ce qui va nous manquer, tu vois, ça va être la partie, hop là, toc, ça va être la partie, est-ce que ce poste, il est gratuit ou est-ce qu'il est payant? Parce qu'on a la possibilité de faire payer nos postes. Et ça, on va l'intégrer bah, tout simplement juste en dessous. Je le mettrais bien juste ici, en fait, tu vois, dans la suite du bouton sur la partie web. Voilà, donc pour la partie web, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement la partie mobile. Alors, la partie mobile, ça va pas être trop compliqué parce que ça va être un petit peu redondant. Il y a juste une ou deux petites choses qui vont peut-être évoluer, notamment. Alors déjà, hop, on va virer tout ça, puis on va virer ça. Ça me semble pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. Ça veut dire que concrètement ici, on peut déjà commencer, tu vois, à réfléchir aux différents bandeaux d'en-tête de nos différents contenus. Après, je t'avouerai que je suis pas encore très fan de la présentation d'ici. Ça, on pourrait peut-être le centrer ici. Voilà, on est un peu centré par rapport à l'ensemble. Après, on aurait pu faire un truc du style, tu vois, partir sur. Sur un rectangle comme ça. On a notre panneau, on a rempli notre objectif, tu vois, qui est de publier ce fameux contenu sur notre flux d'actualité. Et notamment ici, donc on a notre ce contenu est-il un contenu premium? Est-ce qu'il est payant ou est-ce qu'il n'est pas payant? Donc là, il choisit de le mettre en gratuit ou en payant. Il a possibilité de mettre du texte et il a possibilité de publier à cet endroit-là. Ici, il n'a pas pris de photo, il n'a rien fait du tout. Donc là, boum, ça reste dans cet état. Si ici, bon bah là, il faudrait griser le bouton. Hein. Hop là, il faudrait trouver un état grisé de ce bouton-là. Et donc du coup, on a centré.
Voilà, ce que je viens de faire en fait, tout simplement, c'est que plutôt que de le fixer une taille en haut et en bas, j'ai préféré choisir de garder la taille fixe puis en même temps de pouvoir le centrer, ce qui me semble quand même un petit peu mieux d'un point de vue visuel. Donc la personne peut, hop là, envoyer une petite photo à cet endroit-ci, écrire son petit commentaire comme il le veut. Ici, tout ça, ça c'est bon. Et là, ce qui est intéressant à voir, tu vois, sur tous ces éléments-là, c'est que concrètement, alors tout dépend dans quelle technologie on va développer en fin de compte cet espace-là. Mais notamment, si par exemple on développait tout en JavaScript, on pourrait très bien développer un composant, par exemple, pour le bouton, un composant pour l'input du formulaire, un composant qui serait spécifique à l'image. Et alors il y a deux possibilités dans ce cas-là, soit on crée deux composants, un composant qui va être spécifique pour le web et un composant qui va être spécifique pour la version mobile, et dans ces cas-là on va détecter la taille de l'écran, ou dans certains cas, ça dépend de la technologie qu'on va utiliser, mais on peut détecter si on est sur un device et pouvoir utiliser en fin de compte les outils qui sont proposés par le device sur lequel on est. Si on est sur un téléphone mobile par exemple, on a détecté téléphone mobile, on va essayer d'utiliser la caméra. On pourrait très bien imaginer ça. Ou alors, créer deux composants bien distincts dans deux technologies différentes, avec deux technologies différentes sur cette partie-là. Après, pour l'instant, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais développer ces deux différentes parties, mais moi, il me semble intéressant de développer toute la partie front en JavaScript et notamment avec Nuxt.js. On n'est pas encore au stade de choisir la techno, d'accord, mais notamment on pourrait très bien développer le front, la partie web avec du Nuxt.js, qui va permettre quand même pas mal d'autres choses. On en parlera, tiens, d'ailleurs, un peu plus tard quand on fera les profils au niveau de l'intégration graphique, enfin de la partie graphique, mais notamment on pourrait très bien utiliser un Nuxt.js en front avec une base de données telle que Firebase par exemple, et puis du côté mobile, de façon à s'assurer d'utiliser bien correctement les différents composants et de s'assurer que le matos il est là, tu vois, on pourrait très bien s'amuser à utiliser par exemple du flutter par exemple en termes de techno, du flutter. Ou alors, on pourrait très bien imaginer un truc un peu, je trouve ça un peu bancal, mais d'utiliser de l'Ionic et d'essayer de faire du front et du mobile avec, mais je trouve pas ça propre. Quitte à faire quelque chose de bien, autant le faire avec de bonnes technologies. On va voir tout ça de toute façon en détail hein, dans les prochaines vidéos et puis aussi dans les prochaines formations, notamment si tu veux en savoir plus, il y a un lien dans la description qui te permet d'accéder à un espace qui s'appelle Devenir Développeur Pro. C'est un espace complet où je poste régulièrement des formations, où je poste des nouveaux chapitres de formation dans lequel tu vas pouvoir justement évoluer toi de ton côté et pouvoir suivre ces formations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors ces différents chapitres de formation, tu as des chapitres de formation qui vont être plus techniques, tu as des chapitres de formation qui vont être un peu plus orientés sur l'architecture logicielle, sur comment par exemple comment choisir telle ou telle architecture en fonction de telles circonstances, en fonction de tel contexte. Et puis aussi l'intérêt que les personnes ont à intégrer justement ce groupe-là, c'est tout simplement de pouvoir me poser des questions, alors des questions architecture, ou de rebondir sur des chapitres de formation que j'ai mis en place et qui te permettent toi de ton côté de venir poser une question et d'avoir une réponse vraiment concrète. Alors j'organise ça comment est-ce que ça s'organise? C'est très simple, c'est qu'une fois par semaine tu as même mon adresse email, je te donne mon adresse email pour que tu me contactes directement, que tu me poses très clairement ta question. Donc là, l'idée, l'enjeu pour toi, c'est de pouvoir poser une question de façon claire, avec un contexte de façon claire aussi, de façon à ce que je puisse soit te répondre directement par mail, parce que ça nécessite simplement une réponse comme ça pour pouvoir te donner un petit coup de pouce, ou autrement, dans d'autres cas, ça peut nécessiter soit un nouveau chapitre qui vient renforcer justement la formation en elle-même, ou alors c'est un poste particulier, parce qu'il y a une série de postes qui sont mis en place, qui répondent à des questions spécifiques dans lesquelles tu vas pouvoir justement participer en posant ta propre question et en recevant une réponse. Et après, bien évidemment, en fonction de la réponse que je vais donner, ça peut durer 5-10 minutes sur une vidéo par exemple, comme ça peut être un chapitre un peu plus étoffé, un peu plus
fournis, où je te donne beaucoup plus d'exemples, où ça me demande un peu plus de travail, donc dans ces cas-là, j'y réponds de façon un peu plus approfondie. Et vraiment, ça te permet d'avoir un accompagnement qui soit un peu plus personnalisé, parce que bien évidemment, je ne peux pas faire un accompagnement spécifique personnalisé à une personne. Dans ces cas-là, il faudrait que je sois coach, et je ne suis pas coach, enfin, c'est pas mon taf. Mais par contre, ça permet aussi, de ton côté, de pouvoir aussi avoir les réponses aux questions d'autres personnes qu'elles auraient pu se poser. Donc tout ça, c'est dans la description. Tout ce que je suis en train de te dire, en fin de compte, je te l'explique plus en détail dans la description. Je te laisse regarder tout ça. Pour l'instant, l'offre, elle est encore disponible au moment où je fais la vidéo parce que on est au début justement de cet effet-là. Et encore, quand je dis au début, il y a déjà des formations, quelques bonnes heures de formation qui sont disponibles. Bien évidemment, regarde ça maintenant parce que peut-être que justement cette offre-là sera retirée prochainement en fonction justement de la quantité de contenu qui vont arriver prochainement sur cet espace qui est un espace pour devenir développeur pro. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Dans un prochain chapitre, on va aller approfondir d'autres parties graphiques, on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à dire ce que tu en penses, à dire les idées que tu verrais mettre dedans. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine série. Ciao, bye.